Dieu nous brise. Il cherche que nous soyons un cœur selon sa volonté. Nous ne pouvons pas travailler avec Dieu par notre propre volonté. Dieu veut que nous soyons un cœur qui répond à sa volonté. Et nous pouvons avoir ce cœur qui parle de brisement. Avançons par des moments difficiles. Dieu lui-même est au contrôle. Mais il nous fait passer par des moments et des situations difficiles. Peut-être vous croyez que Dieu vous a abandonné. Vous dites Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu peut être silencié. Mais il n'est pas absent dans votre vie. Amen. En toute chose, je voudrais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Mbere ya byose nagomba nshimira umwami wacu Yesu Kristo qui a permis à ce que je sois avec vous ce matin. Ya nyemereye ko tubana namwe muri kino gitondo. Pour laquelle qu'ils m'ont réservé. Kwikaze cyangwa ikuntu banyakiriye. Que Dieu le bénisse. Imana ibahezagire. Je voudrais aussi dire merci à vous, le peuple de Dieu. Nagomba namwebwe bwoko bw'Imana ndabashimira. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Nous ne pouvons pas être appelés pasteurs s'il n'y a pas de brebis. Je vous remercie pour votre présence ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors, avant de commencer la prédication, je voudrais aussi vous donner les salutations qui viennent de Congo Kinshasa. Ngomba kandi ndabashikiriza intasho kuva hariya muri Congo Kinshasa. Papa Mpata, qui est mon père spirituel, umubyeyi wanje mu buryo bw'imuhemu Mpata, ainsi que toute la famille chrétienne de Kinshasa, n'umuryango wabera cyangwa w'abakristo bose mu hariya Kinshasa, m'ont appelé au téléphone, bara ntelefonye pour vous dire, recevez leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'en Dieu, nous sommes une seule famille. En Dieu, il n'y a pas de différence de race ni de couleur. En Jésus-Christ, nous sommes devenus tous enfants de Dieu parce que nous avons crié en Jésus. Muri Yesu Kristo twebwe twacitse abana b'Imana kuko twizeye Yesu Kristo. Voilà pourquoi ce matin je suis libre parce que je suis dans ma famille. Nico gituma rero muri kino gitondo numva nidegembya kuko ndi mu muryango wanje. La Bible dit là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho muhemu w'Imana ari niho n'umwidegembya uba. Merci beaucoup d'être là. Et nous allons passer à notre message. Hier, le Seigneur a permis que nous puissions parler sur le brisement. C'est un thème très grand. Nous ne pouvons pas aussi le finir. Mais nous allons continuer aujourd'hui. Jusque là où nous allons nous arrêter. Alors, ce qu'il faut retenir pour la prédication d'hier, c'était l'appel de Jérémie.
ni kubyerekeye umuhamagaro wa Yeremia. Nous avons dit que Dieu a besoin de nous. Twaravuze yuko Imana idukeneye. Mais il se fait que chacun a une famille, a une culture, a une province d'où il est sorti. Ariko kandi biraboneka yuko umwe wese afise umuryango avamwo imigenzo avamwo intara canke igihugu akomokamo. Et souvent notre vie est influencée par nos traditions, par nos coutumes et par le comportement social d'où nous venons. Rero rimwe nari mugasanga uko tubayeho bisunitswe ninge ni migenzo dufise niyo twavuye niyo dukomoka. Alors quand Dieu nous appelle, igihe rero Imana iduhamagaye, nous venons chez lui, tukaza kuri yo, il va essayer de nous préparer. Acha rero adutegura. Et la meilleure façon que Dieu peut nous préparer, c'est en nous passant par le brisement. Il y a les familles qui nous influencent. Il y a nos traditions qui nous influencent. Il y a les habitudes et les comportements de la société qui nous influencent. Alors nous ne pouvons pas servir Dieu avec tout ça. C'est pourquoi Dieu utilise son atelier qui est l'église. Nicyo gituma rero Imana ikoresha uruganda rwayo ari byo shengero kugira ngo iduhigure. Et il va commencer à nous briser par le marteau de la parole. Acha rero atangura kuduhondaguza inyundo y'ijambo ry'Imana. Et lorsque Dieu commence à nous briser, igihe rero Imana itanguye kutujanjagura, les petites mauvaises choses qui étaient en nous, les mauvais caractères, les mauvaises habitudes, vont commencer à sortir. Nous avons donné l'exemple d'un potier que Dieu lui-même a donné dans sa parole. Dieu a dit à Jérémie, ne puisse pas me servir de vous comme un potier. Que fait le potier? Il va dans les poubelles, dans les voiries. Il ramasse les pots qui sont cassés là-bas. Il les prend, il les amène dans son atelier. Et dans son atelier, il va commencer à prendre les marteaux pour briser les pots. Jusqu'à ce que les pots là deviennent de la poussière. Cela c'est synonyme de l'humilité. Pour bien servir Dieu, il faut d'abord que tu deviennes à l'état de la poussière. Kugira ngo umuntu ashobore gukorera Imana neza, lorsque tu deviens poutier, c'est-à-dire que tu deviens comme un homme inutile devant les hommes, mais utile devant Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à vous fabriquer de nouveau. Il va vous fabriquer non selon les coutumes et les traditions de votre famille, mais selon Dieu. Et alors, Dieu a dit à Jérémie d'arracher. Premièrement, il a dit, je t'établis pour arracher. On arrache les herbes. Il a dit aussi, je t'envoie pour abattre. Atikani ndagutumye ngo usambure. Vous savez, de l'herbe, quand ils sont petits, on l'arrache par la main. Mais quand ça devient grand, c'est difficile pour la main.
ukuboko bica bikugora kugira ngo kurandire life of prendre la hache bisaba rero kumacafata ishoka pour couper cet arbre agacatangura kwikira iyo byabaye nk'igiti gikomeye agatangura kwikiza ishoka. Alors quelque part aussi dans notre vie, il y a des mauvaises habitudes qui grandissent, qui deviennent comme un arbre. Alors là, ça devient difficile à arracher par la main. Il faut utiliser un hache. C'est là où la Bible parle de combat spirituel. Et là où la Bible parle de la délivrance. Alors, en résumé, il y a trois choses. Premièrement, quand tu as appelé Jérémie, la Bible dit qu'il ne l'a pas choisi. Mais il a établi. Vous savez, dans la vie, les gens peuvent vous choisir. Ils peuvent vous choisir parce que vous partagez leur faveur. Mais Dieu, c'est lui qui établit. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Un homme peut vous choisir aujourd'hui, tellement il vous refuse. Nous le voyons avec les politiciens. On les vote aujourd'hui, tellement on les refuse. Mais cherchez à être établi par Dieu. Cherchez la faveur de Dieu. Quand Dieu vous établit, personne ne peut vous refuser. Et Jérémie était un petit. À son époque, il y avait des grands. Mais Dieu a dit, je t'établis. Ma prière est que ce matin. Dieu t'établisse. Dans ton mariage, Dieu t'établisse. Dans ton travail, Dieu t'établisse. Dans la fonction que tu as, Dieu t'établisse. Parce que la Bible dit, ce qui est en nous, ce qui est en nous, c'est lui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, si lui t'établit, personne ne peut te déplacer là où il aille. Amen. La deuxième chose, quand Dieu nous brise, il cherche que nous ayons un cœur selon sa volonté. Nous ne pouvons pas travailler avec Dieu par notre propre volonté. Dieu veut que nous ayons qui répond à sa volonté. Et nous pouvons avoir ce cœur qui par le brisement. En passant par des moments difficiles, Dieu lui-même est au contrôle. Mais il vous fait passer par des moments et des situations difficiles. Peut-être vous croyez que Dieu vous a abandonné. Vous dites, Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu peut être silencieux, mais il n'est pas absent dans votre vie. Alléluia. Il voit. Il abonne.
Mais il sait là où il va vous amener. Il vous prépare pour des responsabilités futures. Quelqu'un qui n'a pas été préparé à l'héritage. Si on lui donne par la main gauche, on va le voler par la main droite. Mais ce que Dieu prépare à ses enfants, c'est dans le futur. Cela ne soit pas volé. Cela ne soit pas perdu. Voilà pourquoi Dieu nous prépare par le prisme. C'est une étape importante dans la vie. Avoir le cœur selon la volonté de Dieu. Si tu as un cœur selon la volonté de Dieu, Dieu peut t'utiliser à tout moment, à tout lieu, kandi ahari hohose. Partout où tu iras, on va te recevoir. Parce que tu ne viens pas par ta volonté, mais tu viens par la volonté de Dieu. Et quand Dieu t'accepte, personne ne peut te refuser. La troisième chose, Dieu nous brise pour restaurer notre vie, pour régénérer notre vie. C'est là où nous allons continuer. Si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez dans 1 Pierre, chapitre 1, 23e verset. La Bible dit ceci. Bibiliya ivuga ngo, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora. Ariko mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. La Bible déclare, Bibiliya iravuga, vous mwebwe, nous twebwe, nous avons été régénérés, twaravutse ubwa kabiri, par la parole incorruptible, kubw'ijambo rihoraho. Cette parole est une semence. Cette parole est une semence. La Bible déclare que la parole de Dieu est une semence. Mais cette semence est incorruptible. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne peut pas être corrompue. Le péché ne peut pas corrompre la parole de Dieu. La maladie ne peut pas corrompre la parole de Dieu. Le diable ne peut pas corrompre la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Quand cette semence rentre en vous, que le diable accepte ou pas, cette parole va donner des fruits dans votre vie. Iyo jambo rizokwama imbuto mu bugingo bwawe. La semence imbuto, c'est quelque chose qui est très important pour la vie. Ni kintu kingirakamaro mu buzima bw'abantu. Lorsque vous avez une bonne semence et vous rencontrez une terre fertile, comme ici au Burundi, je vis les haricots, je vis les petits pois, nous avons une terre fertile. Alors lorsque vous avez une bonne semence, et que vous la
la semer dans une terre fertile. Qu'il pleuve ou pas. La semence va donner des fruits. Parce que la terre est fertile. Alors nous avons deux choses ici. Il y a la semence et la terre. De la même manière, chez nous les chrétiens, notre cœur, c'est comme la terre. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Alors pour que la semence donne des fruits, il faut que cette semence soit semée dans une bonne terre. Dans l'église, il y a des gens qui chantent bien, qui prient bien, mais qui n'ont pas une bonne terre. Ariko indimiro yabo ntabwo ari nziza. Indimiro yabo n'est pas préparé, ntiteguwe pour recevoir la semence, kugira ngo yakire imbuto y'ijambo ry'Imana. Vous savez, il y a peut-être des gens qui parlent beaucoup dans les églises. Murazi hari abantu bafise amajambo menshi mu ishengero. Alors si vous essayez de bien remarquer, igihe ugereje ukabiraba neza, ce n'est pas un problème de la parole. L'église parfois est bien enseignée, mais c'est un problème de cœur. Vous croyez que tout ce qui ne change pas, c'est parce qu'on ne prêche pas bien à l'église? Non. C'est un problème de cœur. Une bonne semence doit rencontrer une bonne terre qui est un bon cœur. Ça va donner beaucoup de fruits. Mais lorsqu'on vous donne une bonne semence, vous venez avec cette semence. Ici, là, par terre, là. Là où il y a le pied. Est-ce que vous pouvez semer la semence là-bas et donner des fruits? Parce que là où vous semez n'est pas fertile. Mais lorsque vous prenez cette semence-là, vous allez là où il y a la terre, vous semez, il y aura des fruits. Les brisements concernent que Dieu puisse transformer les cœurs de pierre au cœur de terre. Tu peux être un bon serviteur de Dieu. C'est pas un problème. Tu prêches bien. Tu chantes bien. Tu pries bien. Quel est l'état de ton cœur? Voilà pourquoi ce matin Dieu t'a appelé. Je viens de 2500 km d'ici. Je sais que tu as beaucoup de pensées en toi. Quand tu es sorti de la maison, tu as le problème de la maison, le problème de famille. Mais je t'en supplie, ce matin, mets tes problèmes de côté. Recevez la semence que Dieu t'accorde ce matin. La parole de Dieu est une semence incorruptible. Lorsque la parole de Dieu est en toi, la maladie n'aura pas de victoire sur toi.
Même la mort ne peut pas corrompre la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dans Ésaïe, chapitre 55, à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset. Yesaya mirongo itanu n'indwi umurongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe. Amen, amen. Écoutez ce que Dieu dit. Umve icyo Imana ivuga. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ésaïe 55. Yesaya mirongo itanu na gatanu. À partir du 10e et 11e verset. Kumurongo wa cumi n'uwi cumi na rimwe. Okay. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en manque, ainsi en est-il de ma parole. Nkuko imvura na shelegi ibigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo ariko bigatosisi bigatuma imeza ikeza igaha umubibyi imbuto nurya ikamuha ibyo kurya. Uko ni ku ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizomera ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ibyo ngomba rizosezera icyo naritumye. Haleluya. La parole de Dieu, ijambo ry'Imana, c'est Dieu lui-même. Ni Imana yonyine ubwayo. Dieu est dans sa parole. Imana iri mu ijambo ryayo. La parole est en Dieu. Ijambo naryo rikaba muri yo. La parole de Dieu c'est Jésus Christ. Ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo ubwiwe. Il a dit, yavuze, je suis dans le Père. Ndi muri Data. Et le Père est en moi. Kandi na Data ari muri jewe. Dans le livre de Jean, mu butumwa bwiza bwa Yohana, chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Jambo kandi yari Imana. Et la parole était avec kandi Dieu. Jambo yari kumwe n'Imana. Tout ce qui a été créé par la parole. Ibyaremwe byose byaremwe n'Ijambo. Là où nous venons de lire, Dieu s'approprie la parole. Imana niyo icyayi igirijambo. C'est ma parole. Avuga ngo ijambo ryanjye. Ce n'est pas la parole d'une personne. Ntabwo ari ijambo ry'umwana w'umuntu. Ce n'est pas la parole de fétichistes. Si ijambo ry'abarozi cyangwa ry'abapfumu. Fétichiste veut dire quelque chose aujourd'hui. Fumura ashobora kuvuga ikintu no munsi. Demain il change. Ejo agahindura. Mais la parole de Dieu ne change pas. Ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. C'est que il se sait qu'il vient. Iki kivuze nico rishika. Le monde a été créé par la parole. Isi yaremwe n'ijambo. L'homme a été créé par la parole. Umwana w'umuntu yaremwe n'ijambo. Il faut que tu prennes cette parole. Ukwiye gufata rero iryo jambo. Que tu le mettes dans ton cœur. Ukarishira mu mutima wawe. Il faut que ton cœur soit fertile ce matin. Umutima wakwiye kuba nk'indimiro yimbuka. Enlève les hypocrisies. Kuraho uburyarya. Enlève les jalousies. Kuraho ubwanzi. Enlève les pensées négatives. Kuraho ibyiyumviro. Laisse ton cœur libre. Reka umutima wawe wite. Que la parole de Dieu soit semée. Kugira ngo ijambo ry'Imana ritewe. La parole de Dieu est réellement semée. Niba ijambo ry'Imana ritewe. Tu verras des changements dans ta vie. Utegereza kubona ihinduka mu bugingo bwawe. Ma parole, ijambo ryanjye. Pourquoi seulement la parole? Kubera iki ari ijambo ryonyine ubwaryo? Parce que Dieu, kuko Imana, suivait sa parole. Aragenzura ijambo ryayo. Dieu ne peut jamais être l'esclave d'une personne. Imana ntabwo ishobora kuba umuja w'umuntu n'umwe. Mais il est l'esclave de sa propre parole. Imana icungera ijambo ryayo. Là où est sa parole, aho ijambo ryayo riri, c'est là où Dieu va. Ni Imana izoje. Si sa parole vire à gauche, ni ijambo ry'Imana rigiye ibuba ibanza. Si vire à gauche, Imana jiji ibuba. Si sa parole s'arrête dans ta vie, ni
La parole de Dieu accompagne. Dieu accompagne toujours là où est Imana igendana n'ijambo ryayo. Pourquoi la parole de Dieu? Kubera ikijambo ry'Imana. Parce que la parole de Dieu, kubera ikijambo ry'Imana, n'est pas contrôlée par les gens. Nta muntu ashobora kurigenzura. Personne ne peut contrôler la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui nous contrôle. Il y a des gens qui cherchent à contrôler la parole de Dieu. Avec des discussions inutiles. Tel verset a dit. Il veut contredire la parole. Par son intelligence humaine. On ne contrôle pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te contrôler. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'a créé. Toi, tu n'as pas créé la parole. C'est la parole qui t'a créé. Ni jambo ry'Imana ryakuri. Tu dois te soumettre à la parole. Guca bugufi imbere y'ijambo ry'Imana. Quand tu viens à l'église, igihe uje mu ishengero, ne cherche pas à écouter la parole qui te plaît. Ntiwumvirize gusa ijambo rikuryohera. Non. Oya. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour plaire aux gens. Ijambo ry'Imana riza kugira ngo rinezereze gusa abantu. La parole de Dieu vient pour te guérir. Et vous savez, la pilule qui guérit, c'est souvent la pilule. Amen. C'est la pilule amère qui guérit. Chez nous, il y a la malaria. Mais tous les comprimés de malaria sont amers. Et surtout la quinine. Si tu refuses la quinine, tu ne serais pas guéri de la maladie. Malgré qu'il est amère, tu dois supporter. Tu dois supporter la parole. Elle vient pour te guérir. Elle vient pour te délivrer. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, sois libéré par la parole. Sois guéri par la parole. Au nom de Jésus Christ. Laisse ton cœur ouvert. Que la parole de Dieu pénètre ton cœur. La parole de Dieu va chasser la maladie. Il a fait longtemps dans ta vie. Ce matin, si tu que la parole de Dieu va te guérir. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Enlève les mauvaises pensées que tu as. Vous savez quoi? L'homme ne devient que ce qu'est son pensée. Tel que tu penses, tel que tu seras. Il y a des gens qui ont toujours des passés négatifs. Hari abantu imisi yose babona nta kigenda. Un pessimiste hors pair. Umuntu atigira abone uko kajoza kiwe kajoba keza. Il dit toujours ça ne marchera pas. Avuga ati ntawapi nta kigenda. Vraiment c'est difficile. Vraiment biragoye. Mais si tu penses comme ça, nimba wiyumvira gutyo, tel que l'homme pense, tel qu'il deviendra. Uko umuntu yiyumvira niko amera. Ce matin, muri kino gitondo, change tes pensées. Hindura uko wiyumvira. Ce matin, Dieu veut un renouvellement de l'esprit dans ta vie. Imana iragomba guhindura imbwemu yawe mu bugingo bwawe. Prenez des pensées positives. Fata ibyiyumviro bya kajoza keza. Il y a quelque chose qui me plaît en Jésus Christ. Quand il était sur la terre, on lui dit, Lazare est mort. Bati Lazaro yapfuye. Lui dit, we yavuze, Lazare n'est pas mort. Lazaro ntiyapfuye. Oh,
Amen. Amen. Jésus était toujours positif. Yesu yamavuga ibya katoza keza. Enlever toutes tes pensées négatives, c'est vrai. Kuramo ibyo byimbiro byawe bya bitagenda neza. Même là où tu avais joué. Naho woba warananiriwe. Je te recommande de rentrer encore là-bas. Na, avec la parole de Jésus. Aha, tu réussiras. Je dis que tu réussiras. Ma parole. Ijambo ryanje. Ma parole. Ijambo ryanje. C'est la parole de Dieu. Ijambo ry'Imana. Alors la parole de Dieu n'a d'égard à personne. Ijambo ry'Imana rero ntawe ritinya. Que tu sois président de la République. Ugombwe umukuru w'igihugu. La parole de Dieu n'a peur de personne. Ijambo ry'Imana ntawe ritinya. Même si tu as les gardes corps autour de toi. Naho ofise abakugendanira. La parole de Dieu ne voit pas tes gardes corps. Ijambo ry'Imana ntiriraba abo bakugendanira. Même si tu es dans ta chambre. Naho wowe uri hariya mu cyumba. La parole de Dieu va te suivre dans ta chambre. Ijambo ry'Imana rizogukurikirana hariya mu cyumba. Oh, je déclare quelqu'un qui est sur le lit de l'hôpital. Hariho umuntu yari ku buriri bwo mu bitaro. Ce matin. Muri kino gitondo. Que la parole pénètre jusque dans son lit. Ijambo ry'Imana rishyire hariya mu bitaro rimukize mu izina ya Yesu Kristo. La parole de Dieu n'a d'égard à personne. Ijambo ry'Imana ntawe ritinya. Si tu refuses de l'écouter, igihe wanse kuryumvira, par ton oreille, mu gutwi ukanga kuri tegu gutwi, il va entrer dans ton cœur. Ntacyo rizoca ryinjirira mu mutima wawe. Et il ne te va pas laisser tranquille. Kani rizokubuza mahoro. Ma prière est que isengesho ryanje nuko quelqu'un qui est ici uri ngaho we uri ngaho na mose que la parole de Dieu ne la laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il va se transformer. Ndasaba ngo ijambo ry'Imana rimubuza mahoro kugeza hahinduka. La parole de Dieu restaure. Ijambo ry'Imana rira. La parole de Dieu transforme. Dira hindura. La parole de Dieu régénère. Ijambo ry'Imana rigira umuntu musha. Je vais aller vers la fin de mon message. Ngira mpave ndangiza. Vous savez, j'ai remarqué une chose au Burundi. Muraze hano mu Burundi hari kintu kimwe nabonye. Nous avons suivi à la télévision. Twara kurikiye makuru kuri télévision. Nous avons écouté à la radio. Twara mvirije makuru mu radio. Les difficultés que vous avez passées ici. Ingorane mwagiye mucamo hano mu Burundi. Dans les années 94-95. Muri ya myaka ya 1994-1995. Vers 2015. Kuge gushikariye na muri 2015. Terrible ici. Harabaye ingorane zikomeye hano mu Burundi. Mais je me dis, Hanimanchandibats, Dieu était au contrôle. Ariko naho byaruko Imana yari kwiritegeretse ibintu. Tous ses enfants. Mu cyancane iraba abana bayo. Dieu était au contrôle. Imana yari kwiraba abana bayo. Dieu a permis parfois certaines choses. Imana irareka ibintu kanaka ngo bibe. Et je peux me rendre compte aujourd'hui. Ubu rero ndashobora kubona que votre foi kukwizera kwanyu par rapport à ce qui s'est passé dans ce pays bijyanye n'ibyagiye bica muri iki gihugu ça a augmenté votre foi en Jésus Christ byace bituma ukwizera kwanyu gukura muri Yesu Kristo. Les gens ont compris abantu baratahuye si Jésus ne protège pas ko nimba Yesu atari wadukinga personne ne peut protéger nta wundi ashobora gukinga. Dieu peut laisser parfois des situations. Imana irashobora kureka ibintu kanaka ngo bibe venir dans votre vie. Bikaza mu buzima bwawe. Pour que vous vous rapprochiez de lui par la prière. Kugira ngo nacancere bikwegereza Imana mu buryo bw'amasengesho. Je sens à Burundi. Ndi yumvira mu Burundi. Un nouveau vent de l'esprit. Ndi umuyaga mushasha wo mu buryo bw'imhemu. Et maintenant il faut profiter. Rero mukwe kubicakira. Il faut chercher l'unité de Dieu. Reka muce mugirirana ubumwe n'Imana. Vous avez la chance ici à Burundi. Mwebwe mugiri amahirwe hano mu Burundi. D'avoir une seule langue qui est parlée par tout le monde. Mufise ururimi rumwe mwese murashobora kumvikana mu gihugu cyose. Ça
Ça, c'est une grâce. Et donc, vous pouvez vous mettre ensemble, demander quelque chose à Dieu dans la même langue, et Dieu va vous donner. Moi, je prophétise que dans 10 ans, Burundi ne sera plus le même. Dieu va faire de grandes choses ici à Burundi. J'essaie de circuler. Je vois que Dieu a d'abord remis la paix. Vous ne pouvez pas construire quelque chose sans la paix. Quand Burundi est déjà dans la paix, il y aura de bonnes choses qui vont venir ici. Chez nous, au Congo Kinshasa, nous avons 250 ethnies. Tuvise amoko amajana 250. 250 langues maternelles. Indimi zitandukanye majana 250 zitandukanye. Donc les vrais effets de la tour de Babel c'est là chez nous. Ngira ngo inkomoko zabyaba hariye muri wa munari wibabere byahisenyuka iwacu. Il y a quelqu'un qui a voté, vous il parle, mais vous. Amen. Mais ici, Dieu vous a fait une grâce. Ariko aha, vous avez une seule langue. Mukaba mirumwe. Et la paix est déjà là. Hanyuma umutekano kaburiho. Sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Avec la paix, vous pouvez beaucoup faire. Chez nous, nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. Le diable nous menace de division. Satan, kabisa arikora tu sugereza gose. Priez aussi beaucoup pour Congo Kinshasa. Tu vas savoir quand nous allons sengere haria Congo Kinshasa. Parce qu'en Afrique, quand les élections s'approchent, igihe cyose amatora yegereje mu bihugu bya Afrika, le problème commence à surgir. Ingorane rero tuchazi ziyarura. Le diable est tenté de nous menacer pour nous diviser. Et bivyo Satani ragacaza kugira ngo adushiremo amacakubiri. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Ariko kandi turizige Imana yacu. Voilà pourquoi mon père spirituel, nicyo gituma uyu umubyeyi wanje mu buryo bw'imhemu, patriarche Kelani Mpata, uriya sogokuru Nkirani Mpata, il m'a envoyé. Yarandungitse. Il dit j'ai une grande famille au Burundi. Yarambiye ati ndafise umuryango munini hari i Burundi. Allez voir cette famille. Gendo ndabire ndamukirije uwo muryango. Je suis arrivé. Nicyo gituma naje. Je vis réellement vous êtes notre famille. Ni byukuri naratahuye ko muri umuryango wacu. Et j'apprends le petit Kirundi. Hariho amajambo amwamwe maze kumenya y'ikirundi. Et j'apprendrai encore. Kandi nzoshishikara kwiga. Parler plusieurs langues c'est pas un péché. Kuvuga indimi zitandukanye si icyaha. La Bible dit au jour de la Pentecôte. Bibiri ivuga ngo ku munsi wa Pentecôte. Ils ont parlé à des langues qu'ils ne connaissaient pas. Bavuze mu ndimi zitamenyekana. Nuko byageze. Diversité de langues. Et indimi zitandukanye. Moi je t'apprends le lingala, toi tu m'apprends le aha, ujo nyigisha lingala nandi ndamwigisha ikirundi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et papa, à cause de la guerre qui est en train de se passer à l'est du pays, kandi uwo mubyeyi wacu kubera intambara ziriko ziraba aha mu buseruko bw'Ikongo, il a fait une œuvre pour recevoir tous ces orphelins qui quittent l'est pour aller à l'ouest, tous ces veuves qui n'ont plus de mari. Yaciye agirishira hamwe yo kwakira impunzi zivuya mu buseruko bwa Congo nk'impfubyi n'abapfakazi bahungiye hariya. C'est pourquoi je vous demande de prier pour nous. Nicyo gituma nabasabye ngo mudusengere cyane. Je sais que vous avez connu cette situation là. Ndabise ko nzi uko namwe ibyo bihe byabaye mwabikiyemo.
connaissez comment ça fait mal. Vous recevez quelqu'un comme ça. Il fait 2000 km à pied pour arriver à Kinshasa. C'est pas facile. En tout cas, c'est violent. Mais papa essaye de rassembler ces gens-là. Ariko rero uyo mubyeyi wacu mpata agerageza kwegeranya abo bantu. On donne la parole de Dieu. Bakabaha ijambo ry'Imana. Pour qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas orphelins. Kugira ngo ntibiyumve yuko bahembwe. Il y a un Dieu. Hariho Imana. Dieu le père des veuves. Data umuvugizi w'abapfakazi. Le père des veuves et le père des orphelins. Kandi na se w'imfubyi. Se confie en Dieu. Donc soutenez-nous par la prière. Et si le Seigneur vous touche aussi, vous avez quelque chose à donner. N'hésitez pas. Faites ça. Vous ne le faites pas à une personne. Mais vous le faites pour Dieu. Ces gens-là sont les âmes de Dieu. Dieu a besoin de ces gens-là. Donc quand nous le faisons, nous le faisons pour Dieu. Voilà pourquoi ce matin, si Dieu vous touche, il touche votre cœur, vous participez ensemble avec nous. Faites-le. Vous serez bénis. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 et 10. Est-ce que tu peux lire ça? Hébreux chapitre 6 et 10. Kumurongo wa 10. Abahebrayo gatandatu kumurongo wa 10 avuga ngo Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunda izina ryayo kuko mwatunga bera nanone mukibatunze. Amen. Amen. Dieu n'est pas ingrat. Imana ntigabitanya pour oublier tout ce que vous faites kugira ngo yibagire ibyose mwayikoreye pour son nom mwakoreye izina ryayo à des personnes qui en ont besoin mu kubantu bari muri nkenegwa. Dieu va vous bénir. Imana izobahezagira. Que Dieu vous bénisse. Imani bahezagire. Maintenant, ubu rero, je vais prier. Ngira senge. Pour tous ceux dont la parole a touché leur vie. Abantu ngira sengere abantu bose bakozwe ko ni jambo y'Imana. La chorale a chanté ce matin. Et hari chorale yaririmbye ngo il est là. Araha. Il est là. Araha, Imani iraha. Toi, tu ne le vois pas. Moi, je te dis qu'il est là. Il est venu ici. Il est venu ici. Pour te raconter. Et il t'a raconté. Kandi muzamwa abonanye. Si tu as un problème. Nimba rero hari ingorane ufise. Qui te dérange? Hari ingorane iguteye uruhagarara. Ce matin il est là. Menya ko uno muri kino gitondo Imana iri ngaha. Pour te guérir. Kugira ngo igukize. Pour te délivrer. Kugira ngo ikubohore. Pour résoudre le problème que tu as. Kugira ngo itore inyishu y'ikibazo cyawe. Si tu es touché par la parole de ce matin. Nimba rero ijambo ry'Imana ryagukoze ko. Lève-toi là où tu es. Hagarara huri. Nous allons prier. Hagarara huri du Saint-Guimard. Hagarara huri du Saint-Guimard. Mon yakozwe ko ni jambo y'Imana. Merci beaucoup. Urakoze neza. Ugize neza. Maintenant vous pouvez avancer. Avancer. Comme amaze guhaguruka teri ntambwe muze. Avancer vers la teri ntambwe muzino. Wese yumva yakozwe ko ni jambo y'Imana. La présence de Dieu est ici. Ubu kubaho kw'Imana ubwiza bw'Imana buri hano. Il est là ce matin.
Les gens vous ont rejeté. Les gens vous ont abandonné. Jésus est celui qui ramasse les choses dans les poubelles. Il te ramasse dans la poubelle. Il te fabrique. Tu deviens un nouveau pot. Un nouveau vase. Que les gens vont aimer. Oh Jésus. Yes, tu es là ce matin. Tu nous as ramassés dans les poubelles. Nous étions rejetés inutiles. Mais tu veux nous rendre utiles. Tu veux restaurer le mariage de quelqu'un ce matin. Tu veux restaurer le travail de quelqu'un ce matin. Tu veux restaurer la santé de quelqu'un ce matin. Ça n'a pas changé ta vie. Ça t'a mené le désordre. Mais ce matin, il est là. Il veut changer ton cœur. Dès que tu puisses recevoir de nouvelles choses. Il est là ce matin. Prie le Seigneur là où tu es. Jésus devant toi. Je ne me justifie pas. Je ne me donne pas raison. Mais toi, justifie-moi. Toi, touche mon cœur. Arrange ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais prier. Gradusenge. Seigneur notre Dieu, Mana yachu, au nom de Jésus-Christ, Mwizina ya Yesu Kristo, le rendez-vous de ce matin, umutumire wa kino gitondo, n'est pas un hasard. Sigiha mana. Tu l'as programmé déjà. Wewe wari wabiteguye kuva kera. Il y a de cela plusieurs années. Haraciye imyaka myinshi. Laisse que ce matin. Leka muri kino gitondo. Quelqu'un qui était venu désespéré, il rentre avec espoir au nom de Jésus Christ. Celui qui ne se sentait pas bon, soit guéri au nom de Jésus. Si quelqu'un est loin d'ici, ta parole le suive là où elle est. Elle est guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Turagushimi ijambo ryawe ko ryongeye gushika mu mitima yacu rikamurika. Ndagushima babene data ijambo ryawe ryakoze ku mutima. Bumvise yuko uri umubumbyi w'igitangaza. Ushobora kujanjagura n'ibintu byononekaye bigahinduka bishasha. Iyi mitima iciye bugufi iragomba ya nyundo yawe mwami ngo yongere ijanjagure. Ibitari byawe byose bimeneke bisohoke hanze. Ubagire ibyaremwe bisha. Ubashoboze kugenda urugendo ruja mu ijuru neza. Wa mwasi niyaza kubosha nabi bamwankire. Ijambo ryawe ribamurikire mwami mu rugendo. Kandi mwemu wawe abarongore azobashikane muri bya byicaro uko urategura. Turasengeye abagucumuye ko
abakoze ibinyuranye n'ubugombe bwawe, abagendeye mu nzira zinyuranye n'icugomba, amaraso yayo abuhagire mu mitima. Umuntu wese mwamaharikwe, umuntu wese yezwe, umuntu wese atunganywe kandi n'ijambo ryawe. Abantu bahagurukana insinzi kandi bayinkomeze n'ibigwanishwa bishasha, kugira ngo uru rugendo barimo bazorusozera amahoro. Urakoze ko bataha amahoro, urakoze ko batahanye ibyizigiro yuko mwami wanje imitego n'amabariye n'ibisozi byari bihagaze imbere yabo Satani yabazibiranije bikuweho, bahindutse abana b'Imana by'ukuri kandi bagize umwitegembyo. Urakoze, turagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Levez-vous si vous êtes malade. Uwoba nawe agwaye. Si vous sortez malade, touchez votre tête. Ushobora kuba umenetse umutwe, cushira ikiganza ku mutwe wawe. Prenez votre main droite, vous mettez sur votre. Abagwaye muhagarare, hanyuma fata ukuboko kwawe kw'iburyo ushire ku mutwe wawe nimba ubabara umenetse umutwe. Si tu as mal au dos, nimba ubabara umugongo, prends ta main droite, mets sur le. Shira ukuboko kwawe kw'iburyo ku mugongo wawe. Si tu as mal au ventre, nimba ubabara munda, prends ta main droite, mets sur le. Shira ukuboko kwawe kw'iburyo ku nda. Quelque chose va se passer ce matin. Il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Cette parole se confirme maintenant. Si tu as mal au pied, prends ta main sur le pied. Dieu va te guérir. Je vais prier pour toi. Père céleste, ce matin, Murikino Gitondo, ton peuple est là. Abantu bawe bahagaze imbere yawe. Il est venu t'écouter. Baje kumva ijambo ryawe. Tu as dit ta parole va le guérir. Wavuze ngo ijambo ryawe rirabakiza. Et il croit à cette parole. Kandi barabyizeye ko ijambo ribakiza. Tu as dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Ijambo ryawe ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Que ce matin ta gloire se voie. Muri kino gitondo ubwiza bwawe nibugaragare kuri abantu. Dans le nom de celui qui est malade. Mu izina ry'uyu Yesu Kristo. Toi l'esprit de maladie. Wewe mhemu yindwara. Au nom de Jésus. Mwizina rya Yesu. Je t'ordonne. Ndagutegetse. De quitter le corps. Va muri iyo mibiri. De libérer le corps. Lireke iyo mibiri. De libérer le corps. Va muri iyo mibiri. La maladie des dos. Muri iyo indwara zo mu bwoko. La maladie du ventre. Indwara yo mu nda. La maladie de la tête. Indwara yo mu mutwe. La maladie des pieds. Indwara yo ku kuguru. Je t'ordonne. Ndagutegetse. Au nom de Jésus. Mwizina rya Yesu. Libère. Lika. Libère. Vaho. Libère. Genda. Va dans les lieux arides. Genda mumbugaragwa. Au nom de Jésus. Mwizina rya Yesu. Reçois la guérison. Ni wakire ubukira. 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 Ni wakire ubukira. Reçois la guérison. Ni wakire ubukira. Reçois la guérison. Ni wakire ubukira. Au nom de Jésus. Mwizina rya Yesu Kristo. Seigneur merci. Urakoze mwami. Parce que tu as guéri. Plusieurs de tes enfants ce matin. Je sais qu'ils ne rentreront pas tels qu'ils sont venus. Parce que celui qui t'a rencontré ne rentre pas comme il est. Je sais qu'ils t'ont rencontré dans ta parole. Et ils rentrent ce matin guéri au nom de tuye koko batabakira mu izina rya Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.